d'ici quelques années, les startups béninoises ont réussi à mobiliser 40% de la finance verte. Je veux pouvoir dire que une startup béninoise a créé un produit dont ne peut se passer 50% de la population mondiale. C'est ça notre but ici. Nous avons besoin de faire beaucoup plus de promotion d'emplois durables, d'emplois verts, je veux dire. Nous avons besoin d'avoir des financements pour des solutions innovantes. Nous avons besoin de travailler sur la restauration de nos forêts et de nos espaces verts. Nous avons besoin de promouvoir d'une manière ou d'une autre l'innovation, la technologie pour la résilience ou l'adaptation aux effets des changements climatiques. Donc, tous les pays se sont donné véritablement leur conscience, ont basé leur conscience sur l'industrialisation. Donc, on parle de croissance en Chine, on parle de croissance en Europe, aux États-Unis, de partout, sans pour autant mesurer l'impact négatif que l'industrialisation a sur nous et pour les générations à venir dans les années qui sont devant nous. Le danger pour vous, peut-être que pour moi aussi, c'est que d'ici 20-30 ans, le nombre de CO2 déjà lâché dans la nature, cette quantité est suffisante déjà pour provoquer ce qu'on appelle une